Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 下面请看详细内容。当地时间3月30号，乌克兰真理报援引法新社的报道称，俄罗斯军队已经开始从切尔诺贝利核电站撤离。截至目前，乌克兰方面和俄罗斯方面均未对此作出回应。 美国国防部表示，今年1月，美国海军两艘驱逐舰离开黑海是美国政府做出的一个谨慎的决定。据今日俄罗斯3月30号报道，美国国防部发言人科比表示，美国海军军舰会例行驶进或驶出黑海，比如今年1月离开黑海的两艘阿利伯克级驱逐舰。科比指出，目前尚不清楚美军何时以及是否会返回黑海。 如果美方接下去要做出类似决定，会考虑本国的国家安全以及美国盟国的利益。近日，俄罗斯指出，科比回应了美国欧洲司令部司令，同时也是北约盟军欧洲最高司令的沃尔特斯的言论。沃尔特斯日前向美国众议院军事委员会表示，在俄乌冲突爆发前，美国政府就决定把包括两艘驱逐舰在内的所有军舰撤出黑海，因为美国不想卷入冲突。 目前，美国在黑海没有军舰，但是美方会视情况让军舰尽快返回该地区。 Alors que Moscou annonce un cessez-le-feu à Mariupol jeudi 31 mars, dans le but d'évacuer des civils, le président ukrainien Zelensky a mis en doute cette annonce. Nous ne croyons personne, a-t-il déclaré. Quant à la communauté internationale, elle reste également prudente après les promesses de la Russie, selon France Info. En effet, le ministère russe de la Défense a annoncé l'instauration d'un régime de silence, soit un cessez-le-feu local, à partir de 10h, c'est-à-dire 9h heure de Paris, afin d'évacuer des civils. Cette mesure doit permettre d'ouvrir un couloir humanitaire vers la ville ukrainienne de Zaporizhzhia. Pour que cette opération humanitaire réussisse, nous proposons de la mener avec la participation directe des représentants du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et du Comité international de la Croix-Rouge. C'est ce qu'a ajouté le ministère russe dans un communiqué. Lucille Barbeau, une porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, a déclaré au journal Libération « Pour l'heure, à Mariupol, la sécurité des couloirs n'a jamais été garantie ». Peu avant cette déclaration de la Russie, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait attiré l'attention sur la situation à Mariupol. « Nous, ce que nous voulons sur Mariupol, c'est un cessez-le-feu, une levée du siège et un acheminement libre de l'aide humanitaire et d'une libre circulation de la population à Mariupol. C'est le sujet du moment », avait-il déclaré sur la chaîne d'information en continu France 24. 当地时间3月30号，美国宇航员范德海已经和两名俄罗斯宇航员乘坐俄罗斯联盟 MS-19号飞船从国际空间站返回，抵达了地球。据塔斯社报道，范德海和俄罗斯宇航员杜布罗夫·什卡普列罗夫已于当日乘坐联盟 MS-19号飞船离开国际空间站，并在哈萨克斯坦杰兹卡斯干州附近安全降落。 塔斯社指出，范德海和杜布罗夫于2021年4月9号乘坐联盟 MS-18号飞船抵达国际空间站，史卡普列罗夫于同年10月5号乘坐联盟 MS-19号抵达国际空间站。范德海此次在国际空间站停留约355天，成为在国际空间站连续停留时间最长的美国宇航员。 Nous vous l'annoncions hier, c'est confirmé aujourd'hui 31 mars. Cette fois, le nombre de réfugiés ukrainiens a bien franchi la barre des 4 millions. C'est un flot de réfugiés comme l'Europe n'en a pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de réfugiés d'Ukraine a maintenant atteint 4 millions, 5 semaines après le début de l'attaque russe, a déclaré Filippo Grandi, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Filippo Grandi est arrivé en Ukraine. Ce nombre très élevé n'est qu'un pâle reflet de la réalité de ces gens qui ont dû fuir souvent avec de maigres bagages faits à la main pour se diriger vers les pays limitrophes, en voiture, en train ou à pied, rapporte France Info. Au total, plus de 10 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population ukrainienne, ont dû quitter leur foyer en traversant la frontière ou en trouvant refuge ailleurs en Ukraine. L'ONU estime à environ 6,5 millions le nombre de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine.
Pour sa part, l'organisme Médecins sans frontières espère que l'annonce d'un cessez-le-feu à Mariupol s'inscrira dans le long terme. Selon Meiko Terzian, le président de Médecins sans frontières, ce serait très dur d'organiser les évacuations de dizaines de milliers de personnes en l'espace de quelques heures, alors que les conditions sont très difficiles sur place. On a des informations selon lesquelles les routes sont minées. Il décrit par ailleurs une situation dramatique à Mariupol. Les populations cherchent de l'eau dans les radiateurs. Il n'y a plus de médicaments et on voit des cadavres partout dans les rues. 当地时间 3月31号， 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃通过社交媒体表示，美国可以为乌克兰的安全提供担保，但乌克兰的和平并未进入美国的计划之中。 乌克兰军方已经向美国国会提交了一份乌军所需军事装备的清单。同一天，乌克兰文化和政策信息部在其社交媒体官方账号上发布消息表示，4月1号起，乌克兰境内各大歌剧院、话剧院和音乐厅将逐步实现开放。消息称，部分售票收入将资助乌克兰军方以及人道主义救援。若出现空袭警报，所有观众将就近进入避难所。 此外，各剧场的入口还将设置检查岗，以保证进出人员的人身和财产安全。 Et pour terminer, une série de brèves sur les temps forts de la journée du 31 mars. On apprend que le président des États-Unis a discuté pendant 55 minutes avec le président ukrainien Zelensky. Sujet de leur discussion, les capacités militaires supplémentaires nécessaires pour aider l'armée ukrainienne à défendre son pays. C'est ce qu'a déclaré la Maison-Blanche. La présidence américaine a ajouté que les deux dirigeants avaient souligné l'impact déterminant des armes fournies par les Américains sur le cours du conflit. En outre, le président Biden a informé le président Zelensky que les États-Unis entendaient apporter au gouvernement ukrainien 500 millions de dollars d'aide budgétaire directe. Selon une source proche du dossier cité par France Info, le général Éric Vidot, directeur du renseignement militaire français, va quitter son poste, notamment à cause de sa gestion de la guerre en Ukraine. L'information a été confirmée par le journal L'Opinion. L'état-major des armées lui reproche un manque de maîtrise des sujets et des briefings insuffisants. Enfin, selon Le Figaro, la hausse du prix moyen de l'essence à la pompe entre 30 et 50% depuis un an aux États-Unis provoque un tel traumatisme que Joe Biden a décidé de frapper fort pour calmer le jeu. Le président américain va annoncer un recours durable aux réserves stratégiques de pétrole de son pays, à hauteur d'1 million de barils par jour pendant plusieurs mois. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。